nettoyer un peu. Vous êtes un peu sale. Je vous débarbouille, permettez. Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Thom Yongerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu de la semaine qui n'est nul autre que Bazar Bizarre. Alors, Bazar Bizarre, c'est rapidement imposé comme une institution par chez nous. En fait, c'est l'incontournable, c'est le meilleur, c'est le jeu qui cartonne chez les enfants qui viennent jouer chez nous. Mais qu'est-ce que Bazar Bizarre ? Bazar Bizarre, c'est un petit jeu d'ambiance qui va mettre à l'épreuve vos réflexes et qui nécessite en plus une petite gymnastique du cerveau. Au centre de la table, il va y avoir toutes ces petites figurines-là, donc un fauteuil rouge, un livre bleu, un fantôme blanc, une petite souris et une petite bouteille en verre verte. Elle n'est pas en verre, elle est en bois. Et il va falloir être le plus rapide à attraper l'un ou l'autre objet selon certains critères assez simples mais assez précis. On va retourner des cartes les unes après les autres et si l'objet apparaît sur la carte et qu'il est de la bonne couleur, on va devoir attraper l'objet qui correspond. Si par exemple, bim, l'objet n'est pas de la bonne couleur, il va falloir attraper l'objet qui n'a ni la forme ni la couleur. Dans ce cas-là, par exemple, il aurait fallu attraper la petite bouteille puisqu'on n'a pas la couleur verte et qu'on n'a pas la bouteille sur la carte. Ça peut paraître assez simple comme ça, mais en vérité, c'est quand même un tout petit peu compliqué, du moins le temps qu'on attrape un petit peu le truc, qu'on assimile les règles. Bazar Bizarre, c'est donc un petit jeu amusant qui est fait pour toute la famille et en plus qui est décliné dans un nombre incalculable de versions. Nous, à la médiathèque, on a du coup la version basique et on a également pour le moment aussi Bazar Bizarre Junior qui est une version plus simple pour les plus petits où les enfants peuvent y jouer à partir de 3 ans. Alors si vous avez envie de les tester, vous pouvez venir nous voir à la médiathèque pendant nos horaires d'ouverture, mais aussi pendant les soirées jeux. Elles se tiennent les premiers vendredis du mois. Exceptionnellement, la prochaine se tiendra le deuxième vendredi du mois, parce qu'en fait, le premier est férié. Et du coup, le deuxième vendredi du mois de novembre, ça nous ramène au 8 novembre. J'espère que j'ai perdu personne en cours de route. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.